m'appelle Ludovic Éveillard, je suis cofondateur de la société Nawa Technologies, qui est une start-up et plus précisément une spin-off du CEA Saclay. Alors ce que l'on fait, c'est qu'on exploite, je dirais, un nouveau procédé de fabrication d'un nouveau matériau qu'on appelle chez nous des nanotubes de carbone verticalement alignés. Et en fait, c'est un type, je dirais, de carbone particulier qui nous permet ensuite de développer et de fabriquer des électrodes qu'on appelle ultra-rapides. Et ces électrodes ultra-rapides nous permettent de fabriquer des composants, des produits disruptifs. Et en particulier, je peux donner un exemple avec les supercondensateurs à haute densité de puissance qui participent finalement à l'amélioration des performances de stockage d'énergie. Mais c'est aussi utilisé, je parle des électrodes, dans le domaine des matériaux composites. L'objectif, c'est vraiment de faire passer la société d'un mode de fonctionnement R&D à un mode industriel. Et dans ce contexte-là, la Caisse d'épargne nous a aidés en participant activement à un pool bancaire qui nous soutient au travers de financements pour l'acquisition de machines, pour gérer l'acquisition de biens immobiliers. Juste pour donner un exemple concret, la Caisse d'épargne nous a octroyé un prêt, notamment pour participer au financement de la nouvelle ligne de production qu'on est en train de mettre en place sur le site de Rousset.